Amen. Amen. Les obéissent. Amen. Les ministres n'est pas seul. Amen. Pasteur Yassou David. Amen. Pasteur Elohim. Amen. Le représentant du pasteur Nathanaël. Amen. Le pasteur Wanidé. Amen. Le pasteur Clémence. Amen. Le pasteur Jean-Baptiste. Amen. Et le pasteur Isaïe. Aujourd'hui, alors ces serviteurs de Dieu ont mis ce moment spécial pour nous avec des publications de haut niveau. Donc, moi je suis venu pour faire la cérémonie de mariage et je vais parler tout juste un peu et faire cela pour vous. Amen. Donc, on va se tenir de vous. Vous savez, j'ai tenu à ce qu'elle chante ce cantique spécial parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, on ne sait pas où ça s'en va. Le frère Abraham qui se marie aujourd'hui, qui est notre révérend, quand il était venu ici à Tiasali, il avait déjà une façon de croire la parole de Dieu avant de venir. Mais Dieu l'avait averti avant qu'il ne vienne qu'ici, il fera autre chose que ce qu'il faisait là-bas, amen, comme travail de Dieu. Donc son âme était déjà apprêtée à quelque chose qui allait se passer ici à Tiasali. C'est comme ça, dans cette évangélisation, dans le même esprit qu'il était à Abidjan, et il nous a encouragé et on lui a parlé du message. Et il n'a pas hésité sur place, il a cru. Et c'est comme ça qu'il a commencé à suivre tous les produits qu'on lui donnait. Et il fut un temps où il a croisé à l'autre bord du message. Où là-bas, ils lui ont proposé le mariage. Parce qu'il a expliqué un peu sa vie, son concubinage. Et ils lui ont proposé de tout faire ça pour lui. Et c'est une église qui est nantie parce que à chaque dimanche, après le culte, il y a la nourriture. Et lui, on dit qu'ils allaient faire le mariage pour lui. Donc c'était un enfant qui était placé. Et d'abord, c'est le même message. Et de deux, ils vont t'aider même à enlever le plus gros obstacle de ta vie. Alors, ils devaient faire un choix. C'est comme ça, parmi nous tous ici, chaque fois, on est devant deux dilemmes qu'on doit faire un choix. Il y a le dilemme qui est très alléchant et il y a le dilemme qui n'est pas alléchant. Alors, tu vas choisir quoi? Alors, le révérend a choisi le terrain difficile, compliqué. Et trois, resserrer. Alors aujourd'hui, la façon dont Dieu est en train de bénir son mariage avec toute cette présence, c'est la confirmation qu'il a pris le bon chemin. Parce que s'il avait même accepté ce qu'on lui avait proposé, ça n'allait même pas être à l'approche de ce qu'il a fait lui-même jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça la vie éternelle. Nous sommes sur la terre, on fait des choses, on ne connaît pas le demain. Un jour, ça te fait entrer dans la joie, ou un jour, ça te fait entrer dans un moment de difficulté, de l'enfer.
C'est pour cela que tous les choix que nous avions fait sur la terre ici, ne prenez pas les chemins enrichants. Il y a beaucoup d'opportunités faciles. Prenez les chemins étroits, difficiles et risqués. Amen. Donc, ces gens, ils verront et ils seront étonnés parce que tu avais un passé et aujourd'hui ton présent va toujours étonner. Donc, le passage que je voudrais lire, j'ai pensé que j'avais déjà placé ça quelque part ici, c'est comme ça que je faisais. Mais je ne trouve pas mon passage, mais je sais que c'est dans vos mains. Alors, les pasteurs, le passage qui parle de qu'on a été purifié à la place des Juifs. Le révérend, qui est un spécialiste, Galonais. En tant que quelqu'un de tout ça, on va lire dans l'Apocalypse. Chapitre 22. Verset 2. Au milieu de la place, de la ville et sur les bords, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Amen. Je n'avais pas encore trouvé mon passage. On va lire un deuxième passage. Dans Habacuc, chapitre 2, verset 4. Voici, son âme est enflée. Il n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Oui, Romains 11. Ok. Donc, on lit le passage en question. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais l'olivier sauvage, tu as été greffé à la place. Et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Parce que les choses naturelles typifient le spirituel. La tente qu'on se faisait, que nos parents faisaient au temps ancien, ne peut pas se faire aujourd'hui de la même façon. Parce que la civilisation a changé la manière de faire les tentes. Nos parents aujourd'hui, quand tu t'en vas les voir, ils te demandent de la boisson. Mais dans les temps anciens, c'est la boisson qui demande aujourd'hui existait. Ils ont actualisé la tente. Amen. Il demande des pagnes, des complets rois, des complets hollandais, pour maman, pour papa, tout ça pour faire la dot. Mais il y a 50 ans passés pour faire la dot, ça n'existait pas dedans. Donc à chaque évolution du monde, la dot s'adapte à la civilisation. Amen. C'est pour cela que vous allez découvrir dans le monde futur, la dot, la vitesse, c'est le tout même des portables dedans. Voilà, quand ta femme, tu dois payer un smartphone de 150 000 ta belle-mère, un portable de 300 000 pour ton beau-père. La dot doit s'actualiser. Donc, on ne peut pas faire la dot aujourd'hui de façon précaire spirituellement.
Quand tu lis la Bible, la première dont Dieu a pris la faute d'Adam pour faire une femme. Mais Dieu n'est pas resté sur la côte. Pour que les autres qui viennent après, ils disent que comme Adam, Dieu a pris sa côte, moi aussi je viens, il faut que je prenne ma côte pour me trouver une femme. Non. Amen. Quand Abraham devait prendre la femme pour son fils, il a envoyé son serviteur avec des présents. Donc les présents ont remplacé la côte. Amen. Quand Jacob a devait prendre sa femme, il a travaillé deux fois, pour pouvoir prendre sa femme. Donc les sept années ont remplacé les présents. Amen. Donc ça s'actualise. On ne peut pas se marier comme maintenant se marier dans les années 60. Dites amen. On est en 2023. On ne peut pas se marier avec la compréhension des années de 1963. C'est pas possible. Dites amen. Une promesse est entrée en cours. Et c'est dans cette promesse que Dieu prend les éléments pour faire la dot. Et aujourd'hui, dans ce mariage, Dieu fait sa dot. Dites amen. À Dieu pour unir les deux frères. Amen. Quand David devrait avoir femme, le roi lui a dit d'aller chercher 100 prépuces. Ça, c'était un moyen pour prendre sa femme, mais c'était un gage qu'il payait pour avoir sa femme. C'était sa dot. On s'attend à s'actualiser par un moment donné, par une situation donnée. Or, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que c'est moi l'Ancien Testament. Et qu'à chaque fois que vous prenez une femme, Dieu change les systèmes. Ça veut dire que quand on va venir dans le Nouveau Testament, quand Dieu va vouloir prendre sa femme, Dieu va changer chaque fois les systèmes. Amen. Parce qu'on est plus long qu'on était avant. Il ne faut pas te comparer à Adam. Quand Dieu parlait, il a dit, vous les sœurs, soyez comme Sarah. Il n'a pas dit, soyez comme elle. Il a dit, soyez comme Sarah. Parce que dans la vie qu'elle vivait, toi tu ne vis pas dans cette même vie. C'est dans la vie de Sarah que toi tu vis aujourd'hui. Donc ton exemple là, c'est Sarah. Ton exemple là, c'est pas elle. Parce qu'on n'est plus ce qu'on était. Amen. Quand le péché est entré dans le monde, quand Dieu a dit, je fais l'homme, voici la côte que je fais comme une aide. Ça c'était avant le péché. Et avant le péché, la femme était une aide. Dites amen. Quand Dieu avait fait sortir la côte pour faire femme d'Adam, quand Adam s'est réveillé, il a dit, vas-y, chair de ma chair, os de mes os. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire ça. Voilà pourquoi on ne peut pas faire la dot comme dans les années 60. Parce qu'on fait la dot avec le verset de la parole. Dites amen. Avec la promesse qui est en cours pour ouvrir la Bible, pour faire la dot de Dieu. Tu ne peux pas dire, je suis chair de ma chair, os de mes os. Parce que quand ils ont fait sortir Ève, elle était chair de la chair, os de ses os. Donc il y avait une femme parfaite. Mais quand le serpent ancien est venu, le serpent ancien a mis son empreinte dans la chair de Ève. C'est une marque sauvage. Une marque. Une marque animale. Voilà pourquoi Dieu dit, Jésus même qui est venu pour pouvoir prendre sa femme, il fait un crépage. Mais c'est quel crépage? Crépage, on prend un arbre sauvage. Le bouche de Jésus, l'église que tu es dit que tu es sauvage, et on te crève à celui qui n'est pas sauvage. Dites amen. Hein, comment on est sauvage? Quand tu as
fatigué l'homme. Il a dit, il a mis dans le jardin de l'homme pour le cultiver, pour le rendre intelligent, pour le rendre bien, pour le rendre civilisé, pour le rendre docile, pour le rendre quelqu'un qu'on peut vivre avec en lui. Mais il n'a pas fini de civiliser à temps. Il n'a pas fini de le cultiver à temps, à commencer à avoir un désir. Amen. Amen. Tu n'es même pas encore prêt. Tu n'as même pas encore l'argent. Tu n'as même pas encore chez toi. Tu n'as même pas encore un travail. Toi, tu as déjà un désir. Tu n'as même pas encore le Saint-Esprit. Tu n'as même pas encore un appel. Tu viens avoir une église. Dites amen. Dieu a dit, tu vas te cultiver. Et Dieu n'a pas encore fini de cultiver Adam. Et Adam commence à avoir le désir d'avoir un semblable à lui. Alors Dieu est obligé de faire dormir Adam et de faire sortir la partie non cultivée, la partie sauvage. Dites amen. Quand tu as fait ton champ, le champ là, j'ai 10 états. Mais tu as travaillé 5 états. Quelqu'un peut t'aider, tu ne vois pas où c'est travaillé. Tu ne vois là où il y a forêt là. Dis ta main. C'est là-bas, il va aller travailler. Dieu a déjà travaillé sur l'homme. Toi, tu dois travailler sur ta femme. Tu dois nettoyer les herbes. Tu dois la cultiver pour la rendre à ton image. Dis ta main. L'homme n'a plus ce qu'il était dans le jardin d'Éden. Les choses ont changé. La façon que Dieu a créé l'homme, et puis l'homme doit prendre soin de sa femme, les choses ont changé aujourd'hui. Ce n'est plus pareil. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, Adam ne mangeait pas la chair de son front. Il ne mangeait pas la chair de son front. Quand tu vas travailler, il va au travail. Ton mari va au travail. Il s'en travaille, puis il vient à la maison. Il est en train de manger la chair de son front. Il est sous la malédiction. Ça veut dire que ce n'est pas un système normal. Amen. 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 Quand ton mari est bureaucrate, il travaille quelque part, matin, c'est quoi, il sort. Et puis rentre le soir, même s'il compte des billets de banque, il est sous la malédiction. Parce que Adam ne travaillait pas. Adam ne vivait pas sa foi. Tu t'amènes. Quand Jésus marchait, il est parti trouver un arbre. Et puis après, il n'a pas fui dessus. Jésus l'a maudit. Parce que c'est un arbre impoli. Quand Jésus avance devant un arbre, la foi lui donnait du fruit. Dis amen. Le Dieu vivant par sa foi. Les sables là, ils donnent leur fruit à tout moment. C'est là l'arbre de vie. L'arbre de vie donne chaque fois du fruit. Quand tu vois devant l'arbre de vie, il doit te répondre. Il ne va pas être niais. Dis amen. Donc quand tu atteins dans les années d'éternel, chaque fois qu'il avance vers l'arbre, il trouvait forcément du fruit. Parce que la foi qu'il partait avec, l'homme qui partait avec, il créait la condition. Il trouvait forcément du fruit. Il n'y a pas de saison. Amen. Dis ta main. Tu as la femme, tu avances, elle est nue. Hein? Donne, ça ne donne pas. Ça, c'est un figuier. Quand Jésus a regardé l'arbre, il dit encore normal. Moi, je suis le second Adam. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, tous les arbres lui donnaient du fruit. Pourquoi toi, tu ne veux plus de me donner? Mais les gens ne veulent plus vivre par la foi. Hein? Ils veulent vivre de façon mécanique. Ça veut dire quoi? Il a un système, il travaille beaucoup. Puis il emmagasine beaucoup d'argent. Même s'il est méchant, il mange bien. Il est gentil, il mange bien. Il est mauvais, il mange bien. Parce qu'il a des millions en banque. Il s'en fout de Dieu. Il ne faut pas vivre par la nourriture emmagasinée. Quand tu vis par la nourriture emmagasinée, tu n'as plus la foi. Dis amen. L'œil du Seigneur doit venir. Et te donner ta nourriture jour après jour. Jour après jour. Mais il faut les crépages. Mais ceux qui font les VA, pour qu'on crève les VA, il faut un spécialiste. Amen. Si tu n'es pas un spécialiste, sur les crépages, je marche faire.
Ça ne connaîtra pas le résultat que tu t'attends. Hein, on dit à des personnes qui ne doivent pas se mettre ensemble par cause du sang. Si l'enfant vient, il sera malade. Il y a des maladies comme ça liées à deux personnes qui n'ont pas le sang compatible. Dites amen. Mais ils se sont mariés où? Mais il y a un bon préfet. Le préfet, quand lui vient, il prend la chose qui est sauvage. C'est bien que c'est sauvage. Parce que ce n'est plus ta nature. L'empreinte du serpent est dedans. Mais Dieu doit faire avec. Tu dois prendre les deux choses. Et puis travailler ensemble. Mais pas le fruit qui sort. N'est pas le fruit réel. Dis amen. Pas le fruit réel. Comment est-ce qu'on est réel? Alléluia. Quand tu manges les mangues greffées, c'est pas de vraies mangues, mais c'est tout, hein. Amen. Ça vous dira quand tu as fait ta femme. Moi, j'étais avec un pasteur des mots, le pasteur disait, il ne comprend pas sa femme. On est servi, il est venu à cette salle-là pour faire l'œuvre. Elle n'est même pas spirituelle. Mais il n'a rien compris. Elle n'a pas besoin d'être spirituelle. Amen, amen. Elle se demande Dieu que tu es spirituelle. Quand tu as enlevé la foi chez l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Parce que toi maintenant, au lieu de compter sur ma foi pour vivre, tu as vu de façon mécanique, vivre par la nature. Maintenant, toi, la femme, tes désirs vont se porter vers moi, Dieu. J'ai enlevé la foi pour vous, mais ça va se porter vers ton mari. Amen, amen. Donc, elle devient un être inférieur. Donc, elle ne peut jamais être spirituelle. Il faut la comprendre. Elle ne peut jamais être spirituelle comme tu veux. Comme l'Église ne peut jamais être ce que Jésus veut. Tu t'amènes. Mais Dieu veut te cultiver. Parce qu'arrivé un temps, Dieu va sortir un fruit qui est métissé, un fruit qui est, si vous voulez emprunter ce mot, hybridé. Tout le monde vient naturel, un Dieu sauvage. Quand le fruit sort, c'est un fruit métissé. Mais ce fruit, il sera cultivé. Mais comment il est cultivé? Quand tu prends la parole, quand tu as des problèmes, tu pries. Mais quand tu as des maladies, tu vas à l'hôpital. Quand tu as des problèmes d'argent, tu cherches du travail. Mais quand ça coince, tu te mets en genou et puis tu pries. Donc tu marches par les deux systèmes. Tu marches par la mécanique et tu marches par la dynamique. Or, Jésus ne marche pas par la mécanique. Le jour qu'il avait besoin d'argent, besoin de nourriture, il a pris même pour multiplier sans couler sueur. C'est une puissance. Et c'est ce qu'on devrait être. Jésus était sur la terre, il n'a jamais travaillé. Mais nous, on devient Jésus, mais on travaille. Mais là où on va prier, on travaille pas. Et puis ça vient. On a les deux en nous. Voilà l'être que nous sommes. C'est un être mélangé. Amen. Hein, quand on met les enfants, on mange souvent, on ne sait pas si les enfants à la maman vient, les enfants à la maman, au papa. Hein? Souvent, tu ris à l'enfant dans son visage, tu dis ça, c'est maman qui est là. Souvent, tu ris à l'enfant dans son visage, non, ça, il voit papa. Mais c'est un enfant bizarre. Tu n'arrives pas à déterminer qui il ressemble. Parce qu'il est sorti d'une coalition. Tu t'amènes. Quand Jésus était venu, Jésus est venu par la parole. La parole a été prononcée et puis est venue au monde. Et quand Dieu devait faire Adam, Dieu l'a formé Adam. Mais en dehors des deux personnes là, tout le monde est passé par acte sexuel. Or, acte sexuel, c'est un acte sauvage. Alléluia. Donc Jésus, lui, est un homme propre. Adam, il est un homme propre.
Mais tout être qui n'est pas à ce rapport-là, il est déjà sauvage. Mais Dieu doit se greffer avec. Dieu doit prendre la nature que tu as. Et puis envoie ça chez lui. Et puis il va cultiver ça. Et puis rend ça parfait. Mais la perfection chez Dieu aujourd'hui. Prends les deux. Alléluia. Hein? Alléluia. On va se tenir debout. Amen. On va demander à notre maman de faire venir notre frère suivant. Apportez-moi la Bible. Maman, fais venir ton fils. Va. Pour l'envoyer, envoie-le devant. On va demander aussi à Sou, à la sœur, ok, de faire venir notre sœur devant ici. Amen. Ok, l'assemblée peut s'asseoir. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc quand on fait la dot, c'est honoré par les parents. Quand on fait le mariage civil, c'est honoré par les autorités. Et quand ça se termine à l'église, c'est honoré par Dieu. Donc c'est honoré de tous. Voilà pourquoi il y a un serviteur ici qui a dit que le mariage c'est la meilleure chose que Dieu donne à l'homme après qu'il ait donné le salut. Alors, aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes réunis ici devant cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les liens du mariage, par les liens sacrés du mariage qui est ordonné par Saint Paul, quoique étant honorable parmi tous les hommes. C'est dans cet état sacré que ces deux personnes présents viennent s'unir. Donc, si dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui trouve qu'il y a quelque chose qui peut empêcher le mariage, qui se signale maintenant. Alors, s'il n'y a personne qui peut dire que les deux ne doivent pas s'unir légalement devant le Seigneur, alors qu'ils se taisent à jamais. Alors, les deux mariés, la question maintenant est pour les deux mariés. Si l'un de vous sait qu'il y a quelque chose que sa femme devait savoir, mais son mari devait savoir, qui pourrait empêcher d'être unis, et que n'a pas confessé cela à son mari, ou qu'il n'a pas confessé cela à sa femme, c'est le moment de le confesser. Parce que toute chose sera révélée un de ces jours devant le grand tribunal. Alors, on commet d'un commun accord, les deux, qu'il n'y a rien à cacher. Alors, on va demander aux deux mariés de se faire face et de se tenir la main droite. La main droite. Ok. Alors la question
elle pour notre frère. Notre Yahweh Abraham, voulez-vous prendre cette femme comme épouse légitime pour vivre ensemble dans ce saint lien du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer et de la chérir dans la maladie et dans la santé, dans la richesse ou la pauvreté, d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à elle. Aussi longtemps que vous vivez tous les deux. Oui. La question est très ancienne maintenant. Voulez-vous prendre pour époux légitime pour vivre ensemble dans le signe de mariage? Oui. Amen. Alors, vous allez, votre main droite va rester ici. Vous allez déposer votre main sur la Bible. L'amour, la joie, la convivialité,
et que tu mettes l'espérance de notre vie. Seigneur, je te les remets en tes mains, leurs enfants en tes mains, et toutes choses qu'ils entreprennent en tes mains. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, devant toi, nous les avons greffés. Et Seigneur, remets à ton fils l'âme qui cultive sa femme. Et remets aussi à ta fille l'âme pour être soumise à son mari. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, les deux peuvent nous faire une place. Amen. Amen. Donc, la cérémonie est ainsi terminée. Ah, ok. Je vais un peu marier, je vais les souffler. Ça réclame, c'est là. Ça réclame, c'est là. Ok, dans les mots, je dis. Amen, on acclame le Seigneur pour votre accomplissement. Comme la première prédication a été par le pasteur Esaïe, c'est un combat. Pour arriver à ce niveau, c'est un combat. C'est le parcours du combattant. Et ils sont réellement des vainqueurs. Alors, on devrait avoir beaucoup de vainqueurs qui vont traverser ce moment du combat. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai cru que j'ai entendu des cris de joie. Il y a des gens qui ne sont pas heureux ici. Il y a des sorciers qui sont arrivés dans l'ombre. Il y a des bougnons ici. Je veux entendre des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un bonheur, n'est-ce pas? C'est une joie, n'est-ce pas? Alléluia. Ils sont bénis. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Voilà, il y a bien qui finit bien. Mais pour eux, c'est le début d'une nouvelle aventure. Mais une aventure dont le chemin a été déjà tracé par Dieu. Et je crois qu'ils sont dorénavant conduits officiellement par le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez, frère? Toutes nos félicitations au couple Yahweh Abraham qui vient là de démontrer à Dieu et aux hommes qu'ils sont unis par les liens sacrés du mariage. Alléluia. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Parce que s'il tente, il trouvera Dieu sur son chemin. Alléluia. Et comme nous l'avons dit tantôt, un repas sera servi. Et au cours de cette petite cérémonie de repas, ceux qui ont apporté les présents pour les mariés pourront leur offrir cela. Amen. Amen. Ainsi donc prend fin la cérémonie de mariage ici à l'église, mais nous continuons autour du repas à festoyer. Je souhaiterais que nous puissions terminer cette réunion spéciale par des cantiques. Amen. Quelqu'un est-il prêt à danser? Et pour Dieu, et pour le couple, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pouvez tenir debout et commencer à vous échapper? Alléluia. Parce que nous croyons que le chant nous amènera dans le firmament. Alléluia. Le chant nous amènera dans le firmament. Et nous célébrerons nos mariés. Est-ce que vous le croyez? Danse. Danse et chante. Alléluia. Chambre.
Amen.